Salut les gaufrettes! Bon, les enfants, il ne vous reste plus que un mois de vacances. Très bizarre à dire ça, plus que un mois de vacances. Bref, vous avez presque terminé tous les exercices de votre cahier de vacances? Alors vous avez bien mérité un bon dessert. L'occasion pour moi de démontrer que l'on peut utiliser le cornet parti de tube pour faire des glaces. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine! Lavage de mains et go cuisine! Pour les cornets, il faudra 300 g de fraises, 60 g de sucre glace, 250 g de yaourt nature et 8 bâtonnets de glace. Tu peux les faire avec n'importe quel fruit, choisis ton préféré. Je mixe les fraises coupées avec le sucre glace. Dans un ravier, je mélange les fraises mixées avec le yaourt. Je verse la préparation dans les cornets partis et y glisse le bâtonnet bien au milieu. Tu peux tout à fait utiliser des bâtonnets en bois. J'ai opté pour des bâtonnets lavables et réutilisables. Ça part au congèle minimum 8 heures. Pour démouler, je passe l'extérieur des cônes quelques secondes sous l'eau chaude, avant de tirer délicatement sur le bâtonnet. Pour le 4 quarts, il faudra 140 g de farine plus un peu pour le moule, 140 g de sucre en poudre, 140 g de beurre plus un peu pour le moule, 3 œufs, un demi-sachet de levure chimique, 15 ml de vanille liquide, 30 ml de citron et une pincée de sel. Si tu es un adulte, tu peux ajouter 15 ml de rhum et mettre alors que 25 ml de jus de citron. Je fais fondre le beurre au micro-ondes. Dans le bol pousse, je fouette les œufs. J'ajoute le sucre, la farine tamisée, la levure, le beurre fondu et le sel. Je mélange. J'ajoute l'extrait de vanille et le jus de citron. Je mélange à nouveau. Je chemise la terrine Ultra Pro et y verse la préparation. La gamme Ultra Pro doit être posée sur une grille froide. Pense à la sortir avant de mettre ton four à préchauffer. Ça part fermé au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Puis, j'ôte le couvercle et ça retourne au four pendant 20 minutes.
La gamme Ultra Pro de Tube est vraiment super. Elle permet de réaliser de nombreuses recettes simples et rapides. Avant de vous quitter, un petit mot sur le gâteau. On l'appelle 4 quarts parce que ses 4 ingrédients sont à part égale, ce qui donne 4 quarts. Voilà pour la petite histoire. On se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.